Le fait divers de Jessica Ledolf a choqué des milliers d'internautes. Le mannequin a été attaqué et défiguré par un léopard lors d'une séance photo. Emmenée d'urgence à l'hôpital, elle donne des nouvelles de son état de santé. C'est sur Instagram, où elle compte plus de 20 000 followers, que Jessica s'est exprimée. La jeune Allemande y a posté sa première photo depuis l'attaque d'un tigre survenu le mardi 24 août 2021. « Bonjour, je suis toujours à la clinique. Je progresse un peu chaque jour », écrit-elle en légende de sa publication. En commentaire, ses abonnés lui ont adressé leurs vœux de prompt rétablissement. Depuis le 24 août, Jessica Ledolf reçoit donc des soins à l'hôpital. Lady Butterfly, son surnom, y avait été admise de toute urgence après un shooting dans une maison de retraite pour animaux de spectacle dans la ville de Neubra. En Allemagne, la mannequin et activiste était entrée dans un enclos pour léopards. Un des félins, âgé de 16 ans et baptisé Troja, l'a attaqué en lui mordant la joue, l'oreille et la tête avec insistance. Jessica avait perdu connaissance et était transportée de toute urgence à l'hôpital, en hélicoptère. À l'hôpital, le modèle de charme a appris qu'elle garderait ses cicatrices à vie. La police a ouvert une enquête sur les circonstances de l'incident. Les autorités se penchent sur le profil du propriétaire de l'animal. Une femme répondant au nom de Birgit Stach est âgée de 48 ans. Elle possède le léopard Troja depuis 19 ans et a travaillé pendant 20 ans comme dresseuse d'animaux pour des cirques et des parcs d'attractions.